Bien, bonjour! Nous sommes de partance aujourd'hui, en ce samedi 31 mars 2018. On est de partance vers Lille parce que je vais aller faire changer. C'est la raison principale de notre aller vers Lille. Et comment vous dire que j'ai. Voilà, j'ai mis ma ceinture à l'instant. Et la raison principale, c'est que je vais aller faire changer ma. Je vous avais prévenu, je vais aller faire changer ma batterie d'iPhone. Alors, je viens tout juste de mettre mon iPhone à jour vers la version 11.3 d'iOS. J'ai donc la fonctionnalité d'état de la batterie là, qui est très bien foutue. Le problème, c'est que je trouve pas. Je sais pas vraiment comment ça marche, mais je. Normalement, tu dois pouvoir switcher entre un espèce de mode performance et un mode économie de batterie, entre guillemets, tu vois. Et j'ai rien vu de tout ça. On me dit juste que ma batterie est encore vivante à 84%. C'est bizarre. Voilà, je comprends pas très bien. Il est 10h19. On a perdu un peu de temps par rapport au plan d'intro que j'ai fait. 10h20, ouais. Et donc, c'est parti. On va mettre un peu de flouze, un peu de cash à la banque avant. Et puis, écoutez, ma foi, après, direction Lille. Et puis, écoutez, ma foi, go. On roule vite, hein. Ah, sa mère. C'est quoi ce panneau, là? C'est quoi, ça? Je comprends pas. T'as compris? C'était quoi, le même, la bosse, au-dessus? Je sais pas, j'en sais rien du tout. Ah, merde, c'est quoi, ce panneau? Mais oui, c'est des panneaux bizarres, hein. C'est marqué 30 avec un trait dessus, c'est bizarre, je sais pas ce que c'est. Scarré, papa. Oh, mais avec son putain de panneau là. Ouais, l'église c'est ça là. L'église est sympa. Ça s'appelle Morbec, les enfants. C'est beau. J'aime bien l'église, elle est belle. C'est beau. J'aime bien. Ah, mais t'as pas de musique. Voilà une là. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire. Crois-moi. On a tous dit assez dommage. Assez dommage. C'est peut-être la dernière fois. Voilà, merci. Le parking de Lille, vous vous souvenez ce fameux parking où on a paumé la bagnole? Vous étiez peut-être pas là, ouais. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des capteurs partout qui prennent les plaques d'immatriculation. En termes de technologie, ce parking est assez bien foutu. Regardez-moi ça, c'est blindé de tous les côtés. Allez, on compte les allées, c'est parti. Une, deux. On va aller en niveau moins. On est au niveau moins 2, mec. Moins 2? Oui. Ouais. On va aller E18. E18. Niveau moins 2, E19. Bah l'allée E en fait. Ouais. Niveau moins 2, allée E. Là. Non, pas du tout. Non. Ah, l'enfoiré. En fait, c'est ça l'intérêt. Hey. RWD Molambic. Alors en fait, l'intérêt, c'est, vous allez dire, mais il est con le gars à dire sa place de parking. L'intérêt, c'est de retrouver la voiture. Parce que, en fait, moi après, je vais aller revoir les shoots vidéo sur l'appareil photo pour retrouver la place exacte. Veux-tu y aller? Donc, c'est tout le temps abordé là, ce parking. Hein? Tac, 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 la. On peut pas tourner. Ok, on a trouvé, je crois que c'est le même endroit que l'autre coup. Niveau moins 2, B19. Ah oui, c'est vrai. C'est pareil. C'est le même, hein. C'est le même. Voilà, donc je le dis pour la vidéo. Niveau moins 2, place B19.
Qu'est-ce qu'elle fout? Elle accélère toute cette bagnole, moi. Ouais. Un léger souci de voiture. Non. Ok, donc on est arrivé à Lille. On va pouvoir y aller. Et vous me voyez pas, par détail aussi. Merci McDo. Merci, c'était bon. Merci. Regarde, c'était bon aussi. Et bah voilà. Mine dedans. Parce que là, je suis un artiste. Alors, on a juste quelqu'un qui joue du piano dans une gare SNCF. C'est cool. Alors moi, je dis, on prend lequel? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Sans déconner, Euralil Boulevard. Euralil Boulevard, sans déconner. Ça me fait marrer, ça, je rigole. Puis le pire, c'est que devant nous, il n'y a personne. Puis là, en fait, ça devait être ouvert, puis c'est fermé. Donc c'est con. Attention, flip bottle à Euralil. Attention. Attention, la bouteille n'est pas remplie correctement. Attention. C'est long. Raté. Allez, attends. Allez, une deuxième fois, attention. Prise 2. Aïe, 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 putain. Allez, tout à l'heure, elle est arrivée. Elle a fait un bond comme ça. Elle a rebondi. Elle est bien restée droite. Ah ouais. J'ai fait exactement la même chose que là. Allez, encore une fois, encore une fois. Putain, encore une fois. Ah, putain. De là. Deux tours, attention. Deux tours. Ah, c'est chaud! Merde! Oh, elle a fait un flip button, mais là, on vient! Bien, donc je sors. Là, l'Apple Store est à côté de moi. Je sors de l'Apple Store de Lille. Il est quelle heure, Fiu? 15h36, iPhone déposé. Je dois le récupérer normalement d'ici 17h35 pour un changement de batterie quand même. Raté. Il essaye encore de faire ses motos de flip. Donc le problème, c'est que je suis un petit peu pour l'instant mécontent d'Apple, puisque j'avais rendez-vous à 15h et il est 15h36. J'ai quand même mis 5 minutes pour déposer le téléphone. Je vous laisse faire le calcul à quelle heure je suis passé. Donc en fait, ils sont surbookés avec leur rendez-vous pour des changements de batterie. Ils sont complètement fous. Ils sont en mode, mais laissez-nous tranquille. Alors juste une petite information. Il faut savoir qu'ils vont accepter de changer votre batterie uniquement si ça, comment, si sa durée de vie est inférieure à 85%. La mienne était à 84%. Putain, et pour 1% tu l'iniques. Pour 1% je me fais douiller. Merci à iOS 11.3 d'ailleurs qui leur facilite la tâche. Je vais y arriver. Voilà, donc rendez-vous à 17h je sais pas combien pour récupérer le téléphone en plus ou moins bon état. Lol. Bien, alors, tant qu'on est dans un endroit un peu plus calme, un peu plus stable, je vous explique un petit peu donc pour ceux qui voudraient aller faire changer leur batterie chez Apple. Avant d'y aller, vous pouvez, si vous avez une coque, il faut l'enlever, forcément. Ensuite, la fonction localiser mon iPhone, il va falloir la désactiver aussi. Il me semble qu'elle est activée d'office dans iOS. Bah, vas-y. Bah, oui. Elle est activée d'office cette fonction et donc il faut la désactiver avant d'aller là-bas pour leur dire. En plus, c'est sur rendez-vous parce que potentiellement ça met 3 heures hein, limite pour faire changer les batteries. Ils sont vraiment overbookés avec les batteries. Donc, une fois que vous avez fait ça, que vous avez votre rendez-vous, vous vous pointez le jour de votre rendez-vous. On vous fait attendre un petit peu qu'on s'occupe de vous. Parce que, encore une fois, je vous rappelle qu'ils sont débordés. Et ensuite, alors ils regardent un peu ton iPhone, comme ça, ils regardent l'aspect esthétique, ils regardent à l'intérieur. Genre, s'il est plié, c'est mort. Mais non, mais il a regardé, elle m'a dit qu'il était en bon état. En même temps, il est protégé par une coque. Et puis, un téléphone à 600 boules, potentiellement, j'ai pas envie de le claquer par terre. Donc, elle regarde un petit peu tout ça, elle lance une espèce de diagnostic pour qu'elle récupère les informations.
cette dame ou ce monsieur, moi j'ai eu affaire à une dame, elle récupère toutes les informations sur leur logiciel d'assistance qu'ils ont sur leur iPad. Oh putain, bah, le mec s'est inséré mais comme un fax. Hein. Et donc ensuite elle vérifie aussi l'état de ta batterie. C'est si tu fais changer la batterie, c'est ce que je vous ai expliqué. Si ta batterie a une durée de vie de 85%, ils diront non. Ils voudront pas la changer. C'est en dessous de 85%. Donc moi je suis à 84, je peux la faire changer. C'est le moment propice. Et donc ça vous coûte 29€, et ça c'est jusqu'au 31 décembre 2018 que ça coûte ce prix-là. Vous pouvez le faire une fois à 29€. Parce que voilà, sinon ils perdent leur bille hein, aussi Apple. Donc on verra à 17h35, moment où je dois aller rechercher mon iPhone à l'Apple Store. On verra donc, dans quel état il est. On verra ce que ça donne. Mais si c'est le bordel hein, pour passer. À la mur où ils vont, à 18h30, on va encore être là-bas, je pense. Ouais, je vais me faire de l'huile. Et on ne sait pas où on va. Ta gueule! On se pute. Ah, vous savez pas, les gars, ce qui vient de se passer. C'est que, plutôt dans le vlog, je vous parlais qu'on avait paumé la voiture l'autre coup qu'on était venu ici. Ça a recommencé. Mais comment vous dire qu'en fait on a cherché quoi pendant qu'on a, en fait ce qu'on a fait, bah, on a sondé une partie du parking en sachant que le parking est numéroté avec des lettres et des chiffres. Ça commence à A2. Il n'y a pas de A1, ça n'existe pas. Donc bah, on a commencé dans le coin en A2. Et puis on a fait toutes les allées. Donc jusqu'à A20, je sais plus combien, bientôt 30, un truc 26 comme ça. Je crois. A26. Et après on a tourné pour remonter l'allée B. Donc du coup B26, B25, B24. Donc, et on a remonté comme ça. Et on avait l'intention de faire tout le parking en serpentin comme ça. Avec les allées A, B, C, D jusqu'à... Sachant qu'on était sûr qu'elle était au niveau moins 2. Ça, c'était une certitude absolue. Voilà. Et donc, en fait, en faisant comme ça, au bout de 5 minutes, on l'a retrouvée. Voilà. Donc, c'est un petit conseil. C'est un petit conseil qu'on peut donner aux gens. Donc, si vous venez à Lille, prenez un bout de papier, notez votre place de parking. Voilà. Parce que franchement, ça, ou alors, si jamais vous paumez votre voiture, ne vous énervez pas. Restez calme. Soyez méthodique. Soyez méthodique. Faites comme nous. Même si ça va vous prendre peut-être une demi-heure ou quoi, ouais. Bah, commencez par le début et finissez par la fin. Voilà. Faites étape par étape, donc bah, commencez en A2 et puis bah, allez, faites un peu de marche, ça vous fera du sport. Voilà, donc il est temps de rentrer, j'ai ma batterie d'iPhone qui est changée, je vais la décharger entièrement, la recharger entièrement. Pour lui faire un cycle. Pour lui faire un cycle, et puis bah, ensuite on verra vraiment si ça tient mieux. Voilà, fin de ce vlog, merci à tous de l'avoir suivi, je vais pas faire plus long de toute façon. Du coup, il n'y aura pas eu grand chose, t'as pas filmé grand chose non plus. Ah, c'est sûr. Bah écoute, tant pis. Ça fait un vlog. Hein. Nous, on fait ça pour l'argent. Non, Allez, il est temps de remettre en route, les gars. Et le truc, la vidéo, elle fait 2 minutes. Mais tu sais pas tout le bif que ça me rapporte, mec. T'as le ticket de parking, c'est bon? Ouais, je l'ai, il est dans ma poche. Toujours. Allez, c'est parti. C'est parti. Go. Give me the night.